Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui votre émission sur le regard des choses du Cameroun. Ernesto, bonsoir. Bonsoir Oscarine, bonsoir à tous ceux qui ont choisi une fois de plus d'être avec nous dans le cadre de cette petite balade sur les choses d'ici qui sont partagées avec vous là-bas. Alors, comme d'habitude, nous allons passer à l'actualité sur Internet parce que Internet au Cameroun, c'est tous les jours, nous avons des nouveautés, des exclusivités, des booms. Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté cette aujourd'hui, Ernesto? Bon, le net aujourd'hui, c'est comme tous les jours dans la vie. Hein. Vous ne pouvez pas vous lever le matin sans entendre que le voisin a raclé sa femme en route parce qu'il allait découvrir que la pension qu'il avait payée, en fait, n'a pas payé. Bref, je ne peux pas vous raconter l'histoire de mon boutique aujourd'hui. Mais les trois éléments qui sortent du net, hein, que vous avez passé le temps à commenter, ça va être l'actualité avec Elecam. Elecam, c'est l'organe chargé des élections au Cameroun. Et l'actu dans ce sens, c'est que Elecam va aller observer les élections aux États-Unis d'Amérique. C'est le haut niveau, hein, c'est la magie. Donc, Elecam va aux États-Unis observer les élections. Ils ont été reçus par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à cet effet. Il y a la deuxième actualité qui est celle du pape. Celui qu'on appelle le pape des pauvres, qui s'appelle François, je crois. Donc, le pape François a dit qu'il était favorable à l'union civile des homosexuels. Parce qu'ils ont dit que ce sont aussi des enfants de Dieu. Du coup, ça allait dans tous les sens. On verra pourquoi. Et il y a là, comme troisième et dernier biscuit, Maurice Campo, le président du MRC, celui que les militants appellent le président et élu, a été ce jour, on va dire quoi, il y a une rixe entre la police et ses militants qui venaient lui donner à manger. Parce que vous savez que depuis un moment, le gars ne peut ni sortir, quand il est dedans, ne peut ni entrer, quand il est dehors. Donc voilà, en fait, la toile. Donc, on commence à aller les camps. Oscar, figure-toi que le pays de Tonton Trump, le gars qui a eu le coronavirus, qui a guéri, qui a dit oh, que j'ai vaincu le coronavirus, va recevoir une délégation d'Elecam. Elecam qui va aller au Cameroun, qui va aller observer. Le buzz dans l'affaire, c'est quoi? C'est que des gens disent que si les États-Unis invitent Elecam, ça veut dire qu'Elecam fait bien. D'autres disent que non, si on vous invite, c'est que vous faites tellement nul qu'on veut que vous allez voir comment on fait. Et du coup, il y a les deux camps qui s'affrontent. Un gars a commenté, comme tu as tiré l'attention sur les commentaires, un gars dit à un gars que, mon frère, quand Kabale est obligé de sortir les bidons d'essence pour protéger son vote, tu veux dire que c'est lui qui a donné les bidons d'essence aux États-Unis? Donc, du coup, c'est un peu ça qui a amusé les gens sur les réseaux sociaux. Donc, il est quand même allé à copier l'oncle Sam, c'est pour ça qu'on dit dans les médias, pour paraître plus actuel, tu vois. Donc, on ne sait pas ce qu'ils vont aller faire là-bas, pour paraître que la dernière Coupe du Monde. Il y a une délégation qui a acheté les mèches brésiliennes, comme c'était au Brésil. La dernière fois que c'était au Brésil. Comme c'était aux États-Unis, on ne sait pas ce qu'ils vont aller faire là-bas. Bon, en tout cas, c'est Covidé partout. Bon voyage, allez quand même. Allez apprendre bien des choses là-bas pour qu'on n'ait pas les cas de gars qui doivent sortir des bidons. Ou comme Tonton Romeo Dika qui avait avoué avoir porté 31 seuls. Oui, c'est pour ça que le Cameroun, c'est le Cameroun, non. C'est pour ça que c'est bien. C'est pour ça que c'est bien. L'autre actualité, alors qui gâte le net entre les gars des églises réveillées, des églises endormies, et les Jesus Plum, comme on dit chez nous, les Jesus Plum, je ne sais pas tout ce que ça veut dire pour vous là-bas, mais en fait, quand vous entrez dans une église qui n'est pas conventionnelle, on dit chez nous, vous entrez dans les miyebes, et les miyebes, si je ne sais pas, ça veut dire les choses que vous acceptez, que vous traduire de façon littérale. Donc, du coup, il y a donc tollé. De ces gens des églises de réveil là sur le net. Voilà, on vous avait dit que ça c'est l'église du mal. Le pape n'a pas dit qu'il légalisait, encore que légaliser ne lui appartient pas. Le pape a dit qu'il est pour l'union des homosexuels. Il n'a pas dit qu'il est pour l'homosexualité, il a dit qu'il est pour qu'ils s'unissent entre eux. Non, ouais, mais c'est une sorte de légalisation quand même. Il est pour. Donc s'il devait légaliser, c'est que c'est. En fait, c'est que ce pourquoi le pape est le plus pour est contre. C'est contre la pénalisation de l'homosexualité. Parce que lui, un pape, il a dit qu'il n'est pas d'accord qu'on enferme les gens qui ont péché. Tu vois? Qu'on tue les gens qui ont péché. Parce qu'il y a des pays où on tue les homosexuels. Ah bon? Ben oui, il y a des pays où on les tue, on les lapide. Il faut pas être homosexuel en Égypte.
donc entre autres, des pays comme ça. Donc, c'est ça qu'il faut aussi un peu jaser. Des gens ont du mal à s'en sortir entre légalisation, tolérance, parce qu'on va appeler ça tolérance en fait. Là, ils toléreraient qu'on les laisse se mettre ensemble parce qu'on a le droit d'être, d'avoir une famille. L'homme n'a pas le droit de juger l'homme, ça revient à Dieu. Voilà, si tu veux, c'est un peu ce qu'il a dit. Mais sauf que non, du coup, sur le conseil de l'église catholique et sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, les prêtres vont la dîme. Ils ont déjà les femmes au quartier, ils bouffent, ils roulent en 4x4, ils ont les prêtres bling bling. Tu veux faire le baptême, il y a le prix. Tu veux faire la communion, il y a le prix. Tu veux faire le deuil, il y a le prix. Tu veux même quand même prier sur le mort, il y a le prix. Ouais, et on se repose sur donner à César ce qui est à César. Voilà, comme tu dis. Donc, c'est cette actu-là qui a fait que les gens sont en train de se tirer dessus. Du coup, chacun donne sa religion sur le net. Oh, moi, je suis des églises réveillées. Je ne connais pas ça. Le Seigneur a vaincu le monde. On n'est plus dans l'affaire là. Oh, moi, je suis catholique, père et mère, de grand-père en grand-père. Mais c'est juste ça qui a allumé, enflammé le net. Et pour finir, le célèbre président élu n'allait pas sortir par là. N'allait pas sortir sans passer par là. Oscarine, il se passe donc aujourd'hui. Maurice Kamto est chez lui, il attend seulement dehors. Koum, 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 koum. Il s'est passé, il s'est passé. Quand il sort, il rencontre Tyrian Noah. Tyrian Noah, je crois, c'est la troisième vice-présidente. Hein. Il y a une jeune femme délicieuse là qui passe chez les médias. Là. Elle est très jeune, mais elle est la vice-présidente du MRC. Tyrian Noah est venu avec un tas de femmes. Les mères sont venues avec les sacs de Pompilé, les sacs de coquilles, les sacs de Mintumba que non, le président doit manger. Comme vous le séquestrez, il ne sauf que manger. Les policiers sentent les odeurs de coquilles, disent que bon, le coquille il n'entre pas. C'est ça qui se passe aujourd'hui au point où la gendarmerie. Il y avait aussi 7 cas, 7 pick-up des gendarmes. C'est non plus les centres de coquilles. Hein. Il y avait les policiers partout, comme une histoire s'était versée partout. Le pauvre Maurice Kamto a dû sortir chez lui pour demander ce qui se passait et demander si la nourriture aussi était assise à résidence. Et ça a fait réagir beaucoup de personnes, notamment le procureur Ndjoua Moussa qui a dit que ça fait quand même un mois que Maurice Kamto est séquestré. Soit on l'inculpe, soit on le libère. Parce que aujourd'hui, le père ne sait pas sur quel pied il va danser. Il ne sait pas s'il est assis à résidence. Il ne sait pas qui a décidé de l'assigner à résidence. Donc le père lui est là. Il ne peut plus quitter, aller boire une bière au quartier Mozart. Il ne peut plus dire qu'il peut avoir un verre de l'onto au quartier Mozart. Même sa mère, même sa femme quand elle sort là, même à Julie quand elle sort, la police est derrière elle. Elle part pour marcher, on fume dans le sac. S'il y a les picobines là-dedans, on enlève tout, on fout son sac, on le jette dans la terre. Ah bon? Ouais. Du coup, tous les sacs de coquilles étaient versés. Tous les sacs de pilés qu'on a vu, c'est pas moi. Pas la nourriture, j'ai dit c'est grave ça. Et on met des fêtés la journée mondiale de l'alimentation. Du coup, moi, c'est quand j'étais dehors en blanc, j'ai dit ouais, laissez le coquille là entrer. Bon, moi, c'était moi, on distribuait même ça à tous les policiers qui dorment là tous les jours. C'est cette actualité qui fait que, entre politologues aussi, les juristes, il y a un gros clash. Parce que j'estime qu'on a largement dépassé et j'allais même dire violer la loi. Parce que c'est même dans le cas d'une garde à vue administrative qui est renouvelable, qui ne peut pas excéder 40 jours, on est déjà fort clos. Si c'était même dans le cas d'une assignation à résidence, il devrait au moins être notifié. On devrait lui signifier voilà. Sauf que le père ne peut plus aller au quartier Mozart voir le dompteur, il ne peut plus aller acheter le pain qu'on a pilé avec les pieds dans les boulangeries au quartier. Même faire un tour pour, je ne sais pas si fumer, bon, même faire un tour à l'église, à la cathédrale Notre-Dame de l'Église. Il ne peut plus. Donc, c'est ça qui fait qu'ici, en ce moment, les talibans, voilà, on a fait les militants de l'AMS, les talibans, ils sont fâchés. Ils disent que comme on a calé le coquille, le pilier qu'on avait dans Maurice Kamto dehors, là, mieux la réunion se gâte. C'était toute la culinette. Merci Ernesto pour cette belle balade. On espère avoir le côté encore sucré comme d'habitude. Oui, tu sais que le Cameroun, c'est le Cameroun. Demain, on va se réveiller et tu vas entendre que quelque chose est arrivé. L'artiste Edouard avait dit une semaine, un buzz. C'était une semaine ou une journée. Une journée. Mais au Cameroun, il y a 5 buzz par jour, donc. Voilà, parce qu'à côté, il y a des petites choses. Les étudiants à Tchang qui sont en train de gréver, on ne sait même pas trop pourquoi ils grèvent. Il y a les enseignants qui disent qu'ils vont gâter le dehors. Et les artistes. Les artistes aussi. On dit qu'ils doivent sortir marcher. Quand on a distribué les guitares. Qui veut se fâcher. Il y a tellement d'histoires, mais ne vous inquiétez pas, on va vous. C'est si ça chauffe, nous on y vient avec. Voilà, c'est le Moutoudé Natoudé. Donc. Ok. Après cette balade sur Internet, nous allons nous balader dans la bouche des Camerounais en ayant cherché des expressions
propre au Camerounais. Pour cela, nous avons avec nous le docteur Assipolo, enseignant à l'Université de Douala, qui va nous donner l'expression camerounaise du jour. Hier, j'ai mangé un très bon poisson chez mon assaut. C'est une phrase qu'on utilise en français du Cameroun pour dire qu'on a mangé du poisson au drill, très bien fait, chez la braiseuse. On dit en français du Cameroun la braiseuse, donc celle qui, n'est-ce pas, s'applique à cuire le poisson au drill et chez qui on a ses habitudes, donc chez qui on achète régulièrement du poisson. Et c'est donc elle qu'on appelle son assaut ou son as. Et donc on est le client régulier, n'est-ce pas, de l'assaut. Mesdames et messieurs, nous sommes au quartier Mozart. Le quartier Mozart prône l'originalité. Qui dit originalité dit vérité. C'est ainsi que nous avons prévu pour vous la vérité du jour. Vérité qui vous sera dite par M. Rendebi, qui est un rélecteur et critique littéraire. Concernant la vérité de ce jour, nous allons nous concentrer sur la qualité de certains livres provenant des éditeurs. Donc, ce que nous allons faire, c'est prendre par exemple les livres des enseignants, professeurs, docteurs, professeurs ou alors de fortes personnalités de la société. Le souci, c'est quand ces livres arrivent chez l'éditeur, très souvent ils ne sont pas relus. Leur personnalité, leur titre, leur rang obligent les éditeurs à ne pas travailler correctement sur leur livre. Parfois, ils disent aux éditeurs que c'est déjà lu. Ça ne demande pas à être retravaillé et tout ce que ça concerne. Alors, conséquence, les livres arrivent dans la société dans un état véritablement lamentable. Ça peut être la forme, ça peut être la grammaire, l'orthographe, ça peut même être le fond. Même déjà au niveau de la recherche, au niveau de ce qu'ils sont en train de proposer. Par contre, s'ils se donnent la peine de laisser l'éditeur faire son travail, et si l'éditeur aussi ne se soumet pas à leur titre, alors là, je crois que nous aurons des livres de bonne facture en ce qui les concerne. Donc, leur niveau est souvent très grand et ils n'arrivent plus à considérer certaines choses. Donc, ils se disent déjà qu'ils les connaissent, qu'ils les maîtrisent, mais dans le fond, ils les laissent passer. Et l'éditeur aussi, sous le prétexte du titre, du rang ou alors de la renommée de ces personnes. Donc, c'est pourquoi ces livres arrivent dans ce mauvais état. Donc, cette vérité-là, elle est bonne à faire passer. Les éditeurs doivent faire leur boulot pleinement sans tenir compte de qui se tient devant eux. Et les auteurs, peu importe leur rang, doivent laisser leur texte passer par la relecture, tout simplement. Alors, comme vous savez, nous sommes au quartier Mozart. Le quartier Mozart, c'est un espace culturel qui accueille chaque jour des personnalités, des artistes. Donc, il y a tellement d'activités au quartier Mozart. Alors, nous avons pensé à vous, vous qui êtes souvent absent. Vous avez l'occasion de voir en image toutes les activités de la semaine au quartier Mozart. Ça va tout le monde? Bon appétit pour ceux qui mangent et bon appétit pour ceux qui ne mangeront pas. Oui, c'est là où on sait qui est qui. Et s'il se met à pleuvoir, on saura qui a la voiture et qui marche à pied. Quand j'ai fait sa connaissance, je voulais rester sage. Je ne voulais pas me faire prendre au piège des émotions, mais plus qu'une passion en lui, j'ai trouvé des raisons de donner plus de sens à ma vie. Sans lui, je survis. Avec lui, je survis. Qu'est-ce que tu crois? Tu me rappelles quelque chose? Le verger, regarde ce que tu as comme nutriment, comme élément pour nourrir des êtres humains qui sont très bien dans leur santé. Orange, quelque part, tu as quelque chose qui soigne des êtres. Orange, fruit, je vais dire, regarde comment tu te transformes en jus et les gens te consomment. Il y a des vertus en toi, je dirais, c'est une vertu d'ition, tu fais pousser. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié et on espère également vous retrouver la semaine prochaine.